Mesdames et messieurs, dames et messieurs, chers A Friends, A plus Beaux et Beaux-Arts ont eu le plaisir de vous accueillir ce soir sur la lecture de Pierre-Alain Trévelot du bureau de Bureau TVK. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du dernier numéro de la revue A plus. Comme vous l'avez peut-être observé, la revue fait peau neuve. Et pourtant, elle commence l'année et elle se consacrera toute cette année au re. Re comme refaire le monde, autrement et mieux, changer de cap avec optimisme, mais esprit critique. Le premier numéro de l'année vise particulièrement les pratiques du recyclage et de la réhabilitation. A plus a souhaité inviter TVK à présenter son travail dans ses pages et ici dans le cadre de notre partenariat avec Beaux-Arts. Le bureau réalise actuellement en effet des projets à Bruxelles qui sont comme vous le verrez des pratiques de recyclage optimistes et critiques de la ville du XXe e siècle. En TV4 introducire donner le woord à David Broucart van het bureau carbone. Sorry. Dit Momentel samenwerkt met het bureau voor de projecten voor de autostrade E40 en de Goujon Woon in Anderlecht. Voilà, je m'emplace ici sur le podium Je voudrais remercier encore nos steunende partners et sponsors. La région de Bruxelles Capital, le Vlaamse Overheid, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Stad-Brussel, VELUX, Febelsem, qui depuis plusieurs années soutient ici et à nos côtés une architecture de qualité. Et bien sûr, nos A Friends. Bedankt. Bozar heeft mij gevraagd om een korte introductie te geven bij, project, bij de lezing van Pierre Alain en bij het project van E40 dat we samen met hen doen en te plaatsen binnen de Brusselse context. Vandaag spreken we in Brussel vooral over het kanaal als een mogelijkheid om op grote schaal de lezing en de structuur van de stad te verduidelijken, om nieuwe projecten te integreren of om landschappelijke uitdagingen te integreren. Zowel bij Carbon als bij TVK, zoals jullie in projecten van zullen zien, bekijken wij echter ook andere lineaire infrastructuren als opportuniteiten om de stedelijke en landschappelijke structuur van de stad te verduidelijken en verder aan te vullen. Spoorwegen, steenwegen, maar ook stedelijke autostrades bieden elk op hun eigen manier maar met, en met hun eigen taal de mogelijkheid om de stad te verduidelijken, om de stad van binnenuit ook te bewerken, maar tegelijk met een blik van buitenuit te benaderen en te vervolledigen. Een gedetailleerde contextuele lezing is daarbij voor ons zeer belangrijk, voor, zonder daarbij te vervallen in een soort nostalgie of een a priori beeld. Voor het project van de E40 was het dan voor ons ook niet uh, een idee op zich om niet letterlijk te antwoorden op de wedstrijdvraag om een groene boulevard, een groene intrede voor Brussel te creëren. Maar van bij het begin waren we meer gefascineerd door de figuur en de taal van de autosnelweg zelf. Niet zozeer omdat we van autostrades houden, maar wel omdat we zagen dat deze lineaire, homogene figuur, met zijn eigen specifieke taal die eigen is aan de autowegen, een verbindend element zou kunnen worden binnen het heterogene veld dat de 20ste eeuwse gordel vormt. De autosnelweg dus als een stedelijke figuur, maar ook als een structurerende metropolitane publieke ruimte binnen de 20ste eeuwse gordel. Door te kijken wat er aanwezig was in die stedelijke figuur van de autostraden zagen we ook dat de groene talus euh, op zich de mogelijkheid boden om grote euh, groene gebieden van de, st in de stad, van Josapha in Schaarweek tot de park in Sint-Lambrechts-Woluwe, met elkaar te verbinden. In onze benadering hebben we dus de autosnelweg als een instrument gezien om in te grijpen in de 20e-eeuwse gordel zonder deze aan zich te moeten veranderen. In sens, le projet de l'E40 een un bon exemple comment une infrastructure peut être travaillée comme des outils De réarticulation et de transformation urbaine, mais il peut être aussi un appel aux gestionnaires euh, dans la réflexion actuelle des tunnels sur le futur des tunnels et autoroutes urbaines, d'intégrer dès le début la réflexion urbaine et de ne pas euh, se limiter à la euh, réflexion seulement sur la mobilité, et de regarder ces infrastructures des tunnels et autoroutes comme des opportunités de réarticuler la ville. C'est une question qui est bien présente dans les travaux de TVK, comme le travail sur le boulevard du périphérique, la place de la République ou le projet de l'E40, comme vous le verrez. Voilà, je vous passe la scène. Pierre-Alain, Trévelot de TVK. Bonsoir à tous et merci. Je voudrais je voudrais remercier beaux-arts pour cette invitation je voudrais remercier david même si j'ai pas tout compris mais tu me raconteras euh, et je voudrais euh, vous dire que je voulais partager un peu ce moment avec vous pour essayer de faire une, une réflexion sur des recherches et des obsessions qui sont les nôtres pas tellement, je dirais, pour vous présenter notre travail de manière trop complète, mais plutôt pour essayer de réfléchir à peut-être à, peut à l'une des lignes principales qui nous obsède et qui est celle, je dirais, de, de la question du temps. Parce que finalement, nous qui sommes des architectes, on peut dire qu'on s'occupe d'espace, mais l'espace n'est rien sans le temps. Et on essaye de travailler à l'agence et depuis assez longtemps maintenant sur cette dimension temporelle, qui est sans doute une des dimensions les plus difficiles à prendre en compte de notre travail. Alors je vais utiliser pour, pour, pour vous parler de cette question-là quatre projets. Mais avant ça, avant ce, cette... Cette, euh, ce parcours à travers quatre projets, je voudrais faire une petite, euh, un petit prologue et une petite allégorie. Alors une allégorie qui, qui correspond à un, un travail réalisé pour une exposition, une, une exposition installation, on va dire, qui s'est passée à la Cité de l'architecture à Paris, euh, et qui euh, est en lien avec une recherche que l'on mène à l'agence qu'on a lancé depuis quelques années, qui s'appelle Avalanche, et qui est une recherche qui s'intéresse, vaste question, à la Terre. Euh, trop vaste sujet, évidemment, mais l'idée étant de, en tant qu'architecte, se demander euh, qu'est-ce qu'on fait quand on essaye d'implanter de, des choses sur la Terre. Euh, et tout de suite, euh, lors de cette euh, installation, on a souhaité mettre l'accent sur l'idée que, comme le dit William Cooper, que finalement, l'homme, en posant simplement son regard euh, sur la Terre, a la, le sentiment de la posséder, d'en devenir le, le roi, le monarque. Et finalement, on peut dire que l'homme, dans l'histoire, a pris la Terre comme... Un site de projet. Il s'est projeté dans cette idée que la terre pouvait, euh, ou devait même, être prise comme euh, quelque chose qu'il était autorisé à façonner pour son propre besoin, pour son propre confort. En quelque sorte, l'homme est euh, de toute façon un architecte et la terre, finalement, et où est devenue son architecture. Alors, on, on avait fait un, un, un petit film dont j'ai tiré quelques images qui racontent justement euh, des, des moments de cette transformation de la Terre. L'homme a travaillé la Terre, il a, il a commencé à, à essayer de, de travailler le sol notamment. Euh, la ziggurat semble sortie de la Terre, elle semble devenir une géométrie et des degrés comme un sol excavé. Et la croûte terrestre euh, en Inde a été euh, au contraire creusée, perforée. Elle devient une infrastructure. Elle devient une infrastructure pour l'eau, pour recueillir l'eau. Elle devient un puits gigantesque qui va là aussi euh, permettre de trouver une adéquation avec le temps, le temps qui passe, le temps des saisons, mais aussi le temps de l'eau qui euh, arrive par moments en grande quantité, puis qu'il s'agit de, de gérer comme une ressource. En Éthiopie, le sol est aussi creusé, mais il devient un réseau, un réseau que vous ne voyez pas sur cette image, mais qui relie toutes ces excavations dans lesquelles sont construites euh, des édifices religieux. Donc un réseau géométriquement euh, organisé, qui forme finalement une sorte d'espace public. Machu Picchu, extraordinairement connu évidemment, c'est finalement l'histoire d'une montagne qui devient une ville, qui devient une, un espace public, et les coteaux, une production agricole. Donc la topographie est totalement transformée, elle est aplanie pour en faire euh, un espace habitable et euh, une civilisation urbaine. À Shibam, le périmètre est dans le désert et il est délimité, clairement délimité, ce qui produit de la verticalité parce qu'on ne peut pas s'étendre n'importe où. Par contre, on peut habiter presque n'importe où puisqu'on peut même habiter dans le désert. Une structure verticale qui vient s'implanter sur la Terre et créer de la densité quand on regarde les montagnes au loin dans le désert. La Renaissance est une toute autre histoire, mais l'eau devient un miroir. L'eau n'est plus qu'une qu ressource, elle devient un reflet, une composition, une façon d'exister, une façon de, euh, de créer euh, une architecture qui, va, qui ne va pas se mettre là où c'est le plus simple, évidemment, mais qui va se mettre dans une position qui défie justement euh, les règles de la nature. La nature n'est plus seulement une ressource. Jefferson va dessiner la grille, il va la conceptualiser. C'est l'idée qu'à l'échelle du continent, on peut produire une sorte de zone d'extension habitable. On s'affranchit de la frontière, le thème euh, éminemment américain. On s'affranchit de cette frontière parce qu'on peut conquérir l'échelle continentale. Chicago sera encore une autre histoire américaine où on dévie la rivière. Le train aura créé l'horizontalité, le train aura aplani la terre, et le train permettra de venir euh, euh, infrastructurer la totalité euh, du territoire urbanisable. Euh, L'eau est déviée, elle est enserrée, et elle devient euh, enchâssée dans une structure tridimensionnelle, une très grande infrastructure. L'infrastructure va devenir encore plus métaphysique avec la route. La route euh, qui fait que la Terre devient continue. On peut aller absolument partout. Il n'y a théoriquement plus de point de rupture. Et par la vitesse, d'ailleurs, la Terre devient de plus en plus petite, puisqu'on peut euh, s'y déplacer avec un temps qui se réduit. <coughs> Miss Vanderho va donner une sorte d'énonciation, on ne peut plus clair, à l'idée que chacun peut avoir son morceau de nature puisque la clairière tout entière devient une maison. pas seulement la maison dans la clairière c'est la clairière tout entière qui est une pièce habitable et chaque individu, chaque être humain sur terre, théoriquement, peut avoir sa clairière. la terre peut être divisée en autant de pièces de nature que d'individus qu'elle possède. Et puis, peut-être pour finir ce parcours, deux îles montagneuses à Hong Kong, deux îles montagneuses qui sont aplanies, qui se faisaient face et qui sont aplanies pour devenir arasées et créer une plateforme, une plateforme faite pour s'envoler. Donc le paradoxe est total et l'inversion de la géographie est parfaite. Alors, cette histoire. Je ne sais pas si vous voyez bien le graphisme. L'idée n'est pas de, de lire ce qu'il y a dedans, évidemment, mais plutôt l'idée que, parallèlement à cette histoire, le temps a permis ou a vu une croissance exponentielle. Euh, ce que, dès les années 70, euh, les auteurs, notamment Denis Meadows, de The Limits to Growth, le fameux ouvrage qui a commencé à pointer les questions. Euh, de ressources et les questions écologiques fondamentales dans lesquelles nous sommes maintenant de façon très cruciale a aussi expliqué que avec l'industrialisation du monde on est passé dans une phase de croissance exponentielle et pour nous ça a été un choc de comprendre ce qu'était la croissance exponentielle cette idée que en doublant de façon permanente la croissance, donc sortir de la croissance continue et classique pour arriver vers une croissance exponentielle, ça forme une courbe qui est cette forme d'hyperbole. Et quand vous regardez à peu près toutes les, les données que vous pouvez trouver sur, euh, évidemment, la consommation, euh, l'utilisation de la terre, des ressources et aussi la production, on forme cette hyperbole, on dessine cette hyperbole. Inlassablement, toutes les courbes dessinent cette hyperbole. Donc finalement on peut se dire que, encore une fois comme une allégorie, que tout a changé avec cette croissance et que la croûte terrestre a changé, bien sûr, je viens d'en donner d'ailleurs plusieurs exemples, elle a été modelée, elle a été artificialisée, le tréfond aussi. L'épaisseur de la Terre a été, a été transformée, elle a été exploitée. On a été chercher la ressource de manière très profonde. Mais l'océan a changé. L'océan est devenu une autoroute de marchandises, l'océan est devenu une autoroute de câbles pour faire passer les informations. Mais aussi l'atmosphère a changé. L'air a changé, les ondes sont là, la pollution. Et puis aussi le point de vue que depuis l'atmosphère on porte sur la Terre, puisque maintenant on regarde notre Terre depuis l'atmosphère. Finalement, l'hyperbole est une sorte d'allégorie de la Terre qui était horizontale et qui est devenue verticale. La Terre était une situation habitable de manière intellectuellement simple. On pouvait poser les pieds dessus, se tenir debout et puis euh, construire. La Terre est devenue verticale. Et qu'est-ce que c'est que d'habiter une surface qui est devenue verticale La pesanteur restant ce qu'elle est, comment habiter la Terre quand elle est devenue verticale Alors, est-ce que la Terre est devenue... Une architecture, j'aimerais un peu interroger dans cette question du temps euh, ce qu'est finalement la relation entre l'architecture et l'infrastructure. Peut-être pour un peu définir ces termes, euh, pour voir aussi comment, selon nous, de manière, je reprends le terme, optimiste, on peut essayer d'utiliser toute, toute cette... Euh, infrastructure qui a été créée sur la Terre. On peut dire finalement que euh, la Terre est une infrastructure, l'homme l'a prise comme ça, et peut-être qu'elle peut devenir par moment une, une architecture. Ce qui est sans doute vrai, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile d'habiter directement la Terre sans une interface sans une prothèse, sans une infrastructure. mais surtout, on a tellement produit d'infrastructures qu'il s'agit évidemment de les prendre en compte, de les réutiliser et de savoir vers quelle architecture on peut aller pour la terre. alors, je vais commencer par euh, l'espace public. Parce que je pense que l'architecture doit être un espace public. On s'intéresse depuis très longtemps, euh, en tout cas nous, TVK, euh, mais avec nos amis de carbone et, et bien d'autres gens, euh, à la question des infrastructures. Je dirais que l'infrastructure peut être une forme de cellule souche ou de, ou de, de moment zéro de l'architecture, comme, comme une fonction support, comme quelque chose qui existe. Euh, avant l'architecture. En tout cas, c'est une façon peut-être euh, euh, potentiellement euh, stimulante de voir l'infrastructure. S'intéresser à l'infrastructure, c'est s'intéresser à l'histoire. La place de la République a été créée il y a 130 ans. Elle a connu euh, de, grands, de grands épisodes, de grands bouleversements, mais quand on nous a confié le, son réaménagement, quand on a gagné le concours, ça faisait à peu près 130 ans qu'elle n'avait pas subi de transformation dans son ensemble, de transformation unitaire. Elle se présentait comme ça, comme une sorte de gigantesque infrastructure routière sur plus de 3 hectares, puisqu'elle fait près de 300 mètres de long par 120 mètres de large, donc plus de 3 hectares. Euh, et c'était un fonctionnement routier. Le une sorte d'absolu de, de, du fonctionnement routier, puisqu'on avait un rond-point dans un autre rond-point, un double rond-point, avec des étendues de, de chaussées gigantesques. Et les espaces piétons étaient finalement des résidus extrêmement découpés, extrêmement segmentés, séparés. Et là, la contradiction était assez forte entre l'idée que cette place de la République était un lieu de transport très fort, puisqu'il y a cinq lignes de métro sous la place de la République et quatre lignes de bus dessus, qui en font la gare la plus, la plus fréquentée de Paris après, après les gares SNCF et les Halles. Euh, il y avait cette, ce fonctionnement très contradictoire entre le transport en commun et les, et les piétons et. Et la voirie. Les trottoirs étaient extrêmement serrés euh, et donc euh, cette, cette infrastructure routière prenait le dessus. On a commencé à réfléchir finalement à, à travers euh, les usages. Parce que comment réutiliser, comment repenser une infrastructure routière D'abord en se demandant peut-être ce qu'on peut y faire, à quoi elle peut être utile euh, en comprenant sa profondeur, mais en comprenant son effet de surface aussi, en comprenant euh, les attentes, peut-être, les attentes exprimées ou, ou non exprimées, en comprenant qu'il y a besoin euh, de se projeter euh, dans un espace euh, qui est une sorte de vide mental, comme les gens le disaient d'ailleurs, euh, en essayant de comprendre aussi ce que peut-être la question de la manifestation, J'y reviendrai, mais en France, on est assez calé en manifestation, et c'est l'endroit assez, assez symbolique de, de la manifestation. Les usages, bien sûr, c'est le quotidien surtout. Qu'est-ce qu qu'on qu qu fait quand notre vie est juste la vie de tous les jours Et puis qu'est-ce que c'est que le rapport au symbolique Il y avait un, un, un paradoxe euh, finalement dans cet espace, qui était sans doute que l'espace n'avait euh, pas euh, euh, d'adéquation avec ce que le temps avait construit dans cet espace. Cet espace était un espace extrêmement composé, haussmannien, euh, donc un grand rectangle réunissant sept voies, dessiné de manière symétrique. Avec plusieurs forces de symétrie qu'il a composées, une symétrie centrale avec la statue au centre, mais aussi des arbres, des alignements de platanes qui renforçaient cette symétrie, et aussi une architecture, une architecture qui très fortement faisait exister ce grand rectangle. Et en même temps, l'idée que quand vous étiez dans cet espace, euh, vous deviez sentir, on vous demandait de sentir l'unité. Le bâti autour vous imposait presque de sentir l'unité de cet espace-là, l'unité de sa composition et sa symétrie centrale. Et en même temps, vous ne pouviez pas la sentir parce que le sol de cet espace était fuyant. Le, la coupe transversale était une coupe bombée qui faisait que quand vous étiez d'un côté ou de l'autre de la place, sur les grands côtés, vous étiez expulsé de la place. Et donc, on s'est aperçu finalement que la question de l'infrastructure, c'est la question du sol, c'est la question de l'architecture du sol. L'architecture de ces quelques dizaines de centimètres d'épaisseur qui doivent être de manière très pragmatique et très précise maîtrisées pour arriver à faire un projet. Ça, c'est ce qui se passe en dessous. La place de la République est le toit d'un bâtiment. Toutes ces lignes de métro et ces réseaux qui en occupent, vous voyez, la quasi-totalité. Et cette idée que, finalement, en reprenant l'image de Superstudio et, et euh, cette idée de super-surface, dont je reparlerai, que ce sol doit être, doit être un, un sol capable, doit être une disponibilité, quelque chose d'ouvert, comme une, comme une œuvre ouverte. Euh, L'infrastructure routière, finalement, a la capacité à être une super-surface. Alors, on a essayé finalement de produire un espace qui retrouve son unité, donc qui soit en adéquation avec ce que le temps avait produit à cet endroit-là, donc qui est une unité du sol, et qui ne soit pas euh, un espace qui prédéfinisse la façon dont le temps allait s'y dérouler, dont le temps allait amener des comportements et des usages qu'on ne saurait prédire. Je crois que le, la, la modestie qui doit aller avec le métier d'architecte est aussi que, euh, surtout quand on traite d'espace public, euh, avec l'idée qu'on ne peut pas, ou on ne peut plus peut-être, euh, savoir comment l'espace public euh, va se comporter. On ne voit rien, je crois. Excusez-moi. Je vais passer à autre chose. comment l'espace public va se, va se comporter dans le temps, comment il va être euh, euh, dans le temps long, dans le temps qui dure, euh, amené à avoir plusieurs vies, à être euh, métamorphosé, à être sollicité de, de manière sûrement très différente. Ce projet, c'est donc une pente à 1%, parce que la pente à 1%, c'est sans doute la pente... Euh, minimum à laquelle on arrive à arriver dans le euh, dans l'espace public pour des raisons très techniques finalement euh, mais aussi parce que à 1% on a le sentiment d'être à plat et on peut se tenir debout dans un espace y être bien et pouvoir s'y arrêter euh, cette pente à 1% qui va euh, produire ce grand espace unitaire euh, il va permettre aussi de euh, voilà que vous voyez ici, ce grand espace unitaire, il va permettre euh, de produire finalement cette euh, scène, cet euh, espace scénographique dans lequel la vie de la ville peut avoir lieu, en utilisant la très grande dimension de cet espace-là. Évidemment, chaque projet est spécifique, mais la très grande dimension de cet espace fait qu'il peut y avoir de nombreux usages différents au même moment, de nombreux groupes de gens peuvent euh, faire des choses très différentes sans qu'il y ait de, de conflits d'usage, euh, de gestion conflictuelle de l'espace. C'était aussi une façon de ramener l'eau euh, en la faisant sortir en un point haut et la faire descendre sur ses 1%, et la récupérer dans un point bas, tout simplement, et euh, et donc de donner euh, des espaces qui, puisque ce, ce miroir d'eau existe simplement par la pente, il peut aussi ne pas exister. Il peut aussi ne pas être mis en eau. Donc l'espace n'est pas euh, phagocyté par un usage en particulier. Il peut redevenir disponible dans sa totalité si c'est nécessaire. Surtout en l'occurrence, parce qu'on ne peut pas utiliser l'eau. Euh, sous nos climats euh, toute l'année et donc euh, donner la capacité à ce que l'espace ne soit pas euh, euh, dévolu à un seul usage qui euh, ne serait utile qu'une partie de, du temps et une partie de l'année. Euh, bien sûr, euh, ces photos qui sont Finalement le, des photos dans, dans la première année de, de, de la fin de, enfin, après la livraison de ce chantier, donc qui a été livré euh, à l'été 2013, euh, montrent euh, la façon dont les gens se sont très vite appropriés dans une ville comme Paris, qui manque d'espace ouvert, qui manque de respiration, ce grand vide. Euh, Dès... Dès l'inauguration, même avant l'inauguration, avant que les, les, dès que les barrières ont commencé à être un peu enlevées, les gens se sont précipités dans cet espace comme un appétit de, de ce vide, euh, un appétit de, de pouvoir aussi utiliser euh, euh, non seulement l'espace euh, comme euh, lorsque des programmes viennent, là c'est le, le, le café euh, qu'on y a installé, lorsque des programmes viennent... Susciter des usages particuliers, mais surtout euh, s'approprier l'espace pour euh, euh, sa, sa vacuité. L'idée qu'on euh, peut aller à un endroit parce que simplement il est disponible. Et donc, dans la densité de Paris, finalement, euh, beaucoup de gens sont venus, euh, surtout, euh, bien sûr, euh, quand il faisait beau et qu'il était facile de rester dehors. Et puis un jour, bien sûr, euh, énormément de gens sont venus. énormément de gens parce qu'il s'est passé euh, des choses que l'on ne peut pas prévoir. Euh, des choses qui, finalement, euh, sont intéressantes à, à, à essayer de réfléchir en prenant du recul, euh, de savoir qu'est-ce que c'est qu'un qu espace public, qu'est-ce que c'est que, euh, là aussi, la manifestation dans l'état de manifestation que vous ne pouvez pas imaginer à l'avance. Parce qu'on avait beaucoup réfléchi à cette idée qu'il faudrait produire un espace à Paris dans lequel on puisse manifester sans avoir à bloquer le système. Quoi. Cette idée qu'on n'est pas obligé de descendre dans la rue juste en se mettant sur la chaussée pour bloquer la circulation et se mettre dans une situation de conflit. Qu'on peut manifester euh, en ayant un espace pour le faire. Et on a vu d'ailleurs notamment des manifestations des sans-papiers ou des manifestations... De petites communautés, parce que Place de la République, il y a presque une manifestation par jour, à des tailles très variées, évidemment. Euh, L'idée qu'on peut manifester et quand on a un espace pour le faire, un espace propre, un espace piéton, et que, et que cet euh, espace en plus est suffisamment grand, encore une fois, pour laisser exister les autres usages, eh bien, les interactions entre ceux qui manifestent et ceux qui ne manifestent pas, mais qui sont là, qui s'arrêtent ou qui traversent la place. Les interactions sont plus fortes, elles ont lieu, on peut se rencontrer, on peut se parler, on peut essayer de se demander si on a le temps, pourquoi un tel manifeste. C'est ce qu'on a observé pendant longtemps, et puis un jour, évidemment, après euh, euh, les attentats euh, de Charlie, euh, il y a eu euh, cette marée finalement, cette marée quand, il, quand elle prend tout l'espace, euh, avec euh, les dalles de béton, les 122 000 dalles de béton qu'on a installées sur la place, avec des tailles différentes. Et cet enfant de 8 ans qui m'avait raconté, qui me disait Je savais qu'on avançait quand j'avais passé une, une dalle de béton. Il faisait une dalle de béton de 2 mètres en, je sais pas, 10 minutes ou un quart d'heure. Donc, cette idée que finalement, l'espace vide, il est euh, euh, aussi quelque chose qui peut accepter ce qu'on n'est pas capable euh, du tout d'imaginer, même lorsque, dans notre démarche de projet, on était résolument dans l'idée qu'il faut s'ouvrir à ce qu'on ne peut pas prévoir. Quand ce que, que l'on ne peut pas prévoir se produit, on est encore plus étonné, alors même que tout notre travail a été d'essayer de s'ouvrir à ce que l'on ne peut pas prévoir. Et finalement, euh, la place de la République, un peu dans son ensemble, mais surtout la statue, est devenue un mémorial. Et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, cette pièce que l'on a rajoutée, puisque la, la statue n'avait pas cette partie noire que vous voyez en bas, euh, cette épaisseur de plus de 2 mètres euh, ronde, comme un piédestal que l'on a euh, rajouté, qui est aussi une fontaine, mais qui est aussi une assise, euh, est devenue comme une sorte d'hôtel, un hôtel religieux. Finalement, qu'est-ce qui est devenu euh, la statue de la République Une sorte d'édifice religieux à ciel ouvert, un lieu de mémoire collective Quelque chose dont finalement euh, les gens euh, euh, ont besoin dans des moments euh, qui ne sont absolument pas euh, euh, descriptibles. Euh, C'est aussi devenu un espace, un hôtel sur lequel on marche, ce qui est une sorte de typologie très euh, étonnante de la, de la situation religieuse, de l'objet sacré, euh, qui est en même temps euh, l'objet, euh, bien sûr, sur lequel on va se mettre pour. Euh, l'entretenir pour euh, euh, le, le faire vivre, le maintenir dans le temps. Et puis parallèlement, il y a tous les autres usages, notamment euh, la cohabitation, l'espace pour tous, l'espace démocratique, l'espace pour les sans-abri, l'espace pour les réfugiés, <coughs> euh, l'installation temporaire qui existe régulièrement. Mais c'est aussi l'espace médiatique. Euh, cet euh, édifice religieux à ciel ouvert, euh, finalement, de toutes les confessions, euh, il est aussi euh, utilisé, bien sûr, par les médias il est l'espace de représentation par excellence. Euh... Bon, on a été beaucoup euh, interrogés, évidemment, et, et notamment euh, lors des commémorations euh, en janvier. Euh, en janvier dernier, euh, sur ce qu'est devenu cet espace-là euh, et sur la façon dont, on, dont il pourra vivre dans le temps. Et euh, il me semble important de, de se dire qu'il ne faudrait pas qu'un usage prenne le pas sur les autres, euh, que la, la, la vertu, encore une fois, de cette infrastructure euh, qui est devenue une architecture du sol, qui est devenu euh, dans une gestion euh, très précise euh, du projet quelque chose qui, qui donne la capacité à rester. Euh, je pense que c'est important qu'on puisse ne rien faire sur la place de la République, qu'on puisse juste être là euh, et avoir une vie euh, tout, à fait, euh, tout à fait normale. Donc ne surtout pas euh, produire parce que c'était des infrastructures routières et qu'on en fait des lieux symboliques ou parce qu'ils ont une portée symbolique, euh, des lieux dont la charge symbolique vient écraser euh, la qualité ordinaire ou plutôt banale de l'espace public. Alors si l'infrastructure peut devenir une architecture euh, et un espace public, enfin en tout cas c'est notre conviction euh, que parfois elle peut le devenir, euh, il y a cette idée que euh, finalement cette architecture de la Terre, ce serait une architecture du temps long, une disponibilité, une œuvre ouverte, une œuvre inachevée. Euh, et cette œuvre inachevée, on la trouve de manière très forte, très littérale, euh, dans l'infrastructure routière par excellence qu'est l'autoroute. Euh, Finalement, les infrastructures ont ceci d'assez asse, fascinant, voire sidérant, euh, qui est une, une tension très particulière entre les deux données fondamentales de l'architecture qui sont le site et le programme. Euh, parce qu'on peut dire en fait que euh, peut-être, à partir d'une certaine échelle, peut-être que l'infrastructure en tant que euh, programme au départ, c'est un équipement pour les hommes, c'est un programme que l'on se donne pour, euh, et que l'on réalise pour euh, euh, remplir une fonction, euh, en l'occurrence se déplacer. Peut-être que ce programme a la capacité à devenir un site, en fait. Euh, L'autoroute est tellement euh, en cohésion avec euh, l'étendue terrestre euh, qu'elle a la capacité à devenir un site. Donc quand on est à la fois site et programme, euh, on a une, une puissance euh, euh, et une responsabilité très très grande, je pense. Le 40, vous la connaissez sans doute encore mieux que moi. Euh, C'est cette grande ouverture et en même temps, comme toutes les autoroutes, cette grande coupure. Euh, mais elle a cette vertu. Euh, assez euh, incompréhensible pour un parisien comme moi, qui est qu'il y a a priori, d'après ce qu'on euh, nous a dit, euh, trop de place par rapport euh, euh, aux voitures qu'il utilise. Euh, en Ile-de-France, ça n'existe pas. Ça. Toutes les autoroutes sont euh, absolument surchargées. Euh, et là, il y a cette opportunité extraordinaire pour nous, qui est que... Euh, on a de l'espace disponible et en même temps une structure, euh, une structure spatiale et euh, végétale qui est euh, très forte et très constituée. Alors cette euh, direction comme ça entre l'Est-Ouest et le Nord-Sud, entre le Ring et la Moyenne-Ceinture, euh, cette grande euh, structure... Euh, moderne, la deuxième moitié du XXe siècle a produit cet héritage de ces grandes infrastructures, ce très beau dessin de carbone qui montrait la façon dont le 40 pouvait appartenir à cette, à ce registre des grandes pénétrantes, justement entre entre le ring et, 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 le, et le centre, en jouant sa propre partition et en essayant de voir comment de manière euh, euh, positive, encore une fois, on peut se dire qu'on arrive à retravailler sur euh, ce qui est l'urbanisme de secteur. L'urbanisme moderne qui a créé ces secteurs, c'est cet urbanisme de la voiture euh, qui euh, fonctionnait par poche. Euh, et l'idée que euh, finalement, on peut... Euh, L'utiliser, d'abord parce que euh, on peut voir l'autoroute comme une étendue servante, une grande étendue qui pourrait être beaucoup mieux au service euh, de la ville et de la population, une étendue qui est aussi un paysage potentiellement fédérateur, parce qu'on voit bien que cette structure d'espace ouvert peut être un lien, comme un, un, un rayon vert, je dirais, qui viendrait balayer et connecter, qui viendrait essayer de potentiellement de rassembler des structures d'espace ouvert euh, euh, qui sont à proximité et aussi dans l'idée que ça peut être un système de connexion que en essayant de renverser de changer de regard on peut passer de l'idée que l'autoroute était une coupure et qu'elle peut devenir un système, euh, un système de connexion au sens un système vierge un système euh, qui s'installe dans euh, la connectivité, la perméabilité, la, la porosité de la ville. C'était les, les trois idées fondamentales, ce que je viens d'évoquer là l'étendue euh, servante, ou même la monumentalité servante, comme on en, on en parlait, le paysage fédérateur et euh, le système de, de connexion. Les trois notions assez fondamentales qui nous ont permis de commencer ce projet euh, et de. D'essayer d'imaginer de, ce parquet, puisque c'est le nom qui a été, euh, qui a été donné euh, dès le départ, comme un espace mental à, à, à ré, euh, réinvestir. Cet espace mental, comme euh, une étendue métaphysique, mais qui peut être là aussi euh, euh, une, une super surface, quelque chose qui est de l'ordre de l'espace public accessible. Euh, et donc d'un espace public, puisqu'il est accessible, qui n'est pas réservé à une seule fonction et à un seul type d'usager. Dès lors qu'on se place dans le temps long, on peut considérer les autoroutes justement comme un moment particulier, et leurs usages euh, réservés à euh, euh, la voiture euh, comme un moment euh, finalement sans doute euh, réduit euh, dans l'histoire longue. Euh, un moment réduit de, de son utilisation. Donc on peut penser qu'il y a des, des, des échanges et des interfaces entre euh, ce qui se passe à proximité de l'autoroute et l'autoroute elle-même, euh, comme le montre ce trait rouge, puisque cette autoroute, évidemment, comme toutes les autoroutes, euh, elle a créé son propre sol, son propre site, comme je le disais. Elle est parfois légèrement au-dessus avec un talus qui descend vers... Euh, euh, les parcelles euh, qui l'abordent. Parfois, elle est légèrement euh, euh, en dessous. Et donc, il euh, y a des rapports un peu différents suivant les portions entre euh, les, les latéralités et l'autoroute elle-même. Ce qui m'amène à essayer d'expliquer de, une idée. Alors, on ne voit pas grand-chose à la projection, je m'en excuse, mais une idée assez assez structurante pour nous, qui est une autre, un autre point de vue sur le temps, qui est comment est-ce que l'on travaille des projets complexes et des territoires de grande échelle, avec de nombreux acteurs, donc les grands projets urbains, on va dire, comment est-ce qu'on les travaille. Et on, on, on développe des travaux à l'agence depuis quelques temps en, en essayant d'appeler d'appeler notre démarche scénarisation, qui est une sorte de mot barbare, je vous l'accorde, mais que je vais essayer de vous expliquer en deux minutes. C'est l'idée que euh, on a longtemps fonctionné euh, en, en, en planifiant, en essayant de. Euh, en tout cas, la deuxième moitié du XXe siècle a, a, a été très productive en la matière, en essayant de produire une planification du futur et donc d'anticiper. À des échelles de temps assez lointaines, comment est-ce qu'on pouvait transformer euh, euh, notre environnement La planification, c'est l'idée que l'on travaille avec l'image finie, à terme. On se dit, par exemple, en 2030 ou en 2050, et on fait des grands plans, on, on, on aura fait ça. Il y a un caractère assez, euh, euh, je pense, aujourd'hui euh, déconnecté de la réalité, de la façon dont ça se passe, euh, et un caractère aussi presque de prophétie euh, euh, presque auto-bloquante. De la, de la planification. Euh, presque le simple fait de l'avoir énoncé, euh, en tout cas en France et à Paris, ça a été beaucoup comme ça. Euh, ça a marché euh, euh, à l'époque des trente glorieuses, que notamment quand on a fait les villes nouvelles, des choses comme ça, où on a tout de suite en fait réalisé euh, les, les éléments principaux de cette planification. Puis par la suite, on a continué à faire de la planification en se donnant des grands objectifs, sans jamais les, les réaliser. Donc on essaye de se dire que la, la scénarisation, c'est un peu le mouvement inverse, c'est la culture du chemin plutôt que la culture de l'image finie. En général, la planification procède par cette image finie et va essayer de la euh, décomposer en moments de temps, va faire un phasage après coup, qui est un phasage finalement technique. La scénarisation, c'est l'inverse, c'est on part de l'existant, on part d'aujourd'hui et on essaye d'avancer dans le temps. Et on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'on fait tout de suite, comment est-ce qu'on prend en compte les contraintes immédiates, comment est-ce qu'on arrive à activer les choses le plus rapidement possible. Donc on a appelé ça euh, cette structure temporelle des saisons. On voit par exemple que euh, sur le 40, on, on, on cherche à, à ouvrir cette, euh, cette partie d'espace public, euh, cette, euh, ce que j'ai appelé la super surface, et qui existe ici en jaune au, au, sur la partie nord de le 40 euh, euh, très très vite euh, dans une continuité spatiale à la fois avec les rives et aussi dans une continuité longitudinale euh, et l'idée aussi qu'en fonctionnant comme ça c'est se dire que le, la saison n'est pas seulement en attente de la saison d'après elle doit avoir une qualité projectuelle une qualité spatiale qui lui est propre parce qu'on n'est on jamais sûr que euh, le temps Temps va se dérouler encore une fois comme on l'a prévu et que euh, les saisons euh, vont exactement s'enchaîner comme prévu. Donc il faut que le projet, à un moment donné, il ait une qualité presque d'autonomie propre, en même temps qu'il a une pensée de, sa, de son interdépendance temporelle vers euh, la saison d'après. Euh, le projet finalement définit un espace qui va faire jusqu'à plus de 30 mètres d'épaisseur qui va chercher à être très connecté avec une hiérarchie claire dans ses connexions euh, et qui va euh, montrer comment est-ce que euh, la, ce qui était une autoroute va devenir euh, une voie où la, la vitesse va être euh, mesurée, va revenir à des vitesses normales de déplacement et où euh, l'espace public va devenir euh, euh, accessible à toutes sortes de populations. Donc ça, c'est la situation existante. Et euh, cette scénarisation qui nous, qui nous pousse vers l'avant et qui a des effets prospectifs et rétrospectifs. ça qui est intéressant, c'est qu'en essayant d'avancer dans le temps et en essayant d'imaginer comment ça se passe à un peu plus long terme, en saison 2, en saison 3, ça nous informe sur quoi faire dans la saison 1, dans celle qui vient tout de suite. La saison fondamentale étant toujours la saison 0. La saison 0, c'est cet existant qui dit qu'on assume le leg du passé, on essaye de l'utiliser, mais on essaye de le, bien sûr de réutiliser les qualités principales, les qualités intrinsèques de ce qu'on a dans les mains. C'est l'idée de la métamorphose, en fait. C'est l'idée qu'il euh, faut transformer les choses sans être euh, oublieux de, euh, des qualités. Euh, originaire euh, d'un dispositif donné. La métamorphose, c'est comment est-ce qu'on change de forme euh, sans qu'on euh, ait perdu les qualités que euh, l'on avait avant Comment est-ce qu'on devient autre chose en essayant de euh, euh, se souvenir de ces, de ces qualités Alors. Euh, la question euh, euh, finalement euh, de cette infrastructure, c'est est-ce euh, qu'elle peut euh, euh, être de l'habitat Est-ce que l'infrastructure peut donner lieu à de l'habitat euh, Alors, euh, je vous montre rapidement un, un, un travail euh, qui est euh, finalement, est-ce qu'on peut considérer certains bâtiments comme des infrastructures ou essayer d'en déceler euh, les qualités infrastructurelles pour arriver à en produire une architecture euh, différente. Euh, ceci, c'est donc un, un projet de transformation d'un immeuble de bureau que vous voyez ici, des années 70, euh, immeuble de bureau euh, que l'on a transformé en, en, en logement pour étudiants. Euh, en partant de la qualité structurelle, cette fois, très spécifique, d'un bâtiment qui était fait avec des poteaux et des dalles champignons, qui faisait qu'on pouvait le sectionner et produire finalement une autre, un autre système de distribution, ce que vous voyez en rouge, tout en conservant la partie finalement utile. Est disponible de cette infrastructure, c'est-à-dire les plateaux qui étaient anciennement desservis par une circulation verticale extériorisée. On reprend l'idée d'une circulation verticale extériorisée, mais en produisant en même temps qu'une circulation verticale, une circulation horizontale qui serait elle-même une infrastructure supplémentaire, une infrastructure adjointe, rajoutée. Donc c'est le processus de métamorphose qui, qui ne doit pas, je pense, exclure totalement la démolition, partielle euh, en tout cas, euh, et qui doit permettre euh, d'atterrir sur des nouvelles typologies. Euh, parce que la question du type, euh, le type euh, dans le sens euh, de ce qui est permanent, dans le sens de ce qui se transmet dans l'architecture, euh, à travers les âges, dans, dans le sens de ce qui, de ce qui reste. Euh, le type peut être euh, tout le temps euh, réinterrogé. Et la problématique très particulière de la résidence étudiante euh, en France, en tout cas, c'est presque le travail de l'habitat minimum. Pour des raisons de, de montage et de financement, euh, c'est la cellule de, de 18 mètres carrés. Et cette idée que euh, la majorité des, des, des projets de. De résidence étudiante euh, sont euh, euh, des projets qui sont desservis par des couloirs qui se trouvent au centre et qui font que, euh, euh, en rentrant euh, euh, au centre du bâtiment, euh, on va euh, avoir un petit couloir dans cette cellule de 18 mètres carrés qui va être le long de la salle de bain pour aller euh, vers la chambre qui elle-même va évidemment se trouver euh, ouverte sur la façade. Donc Cette idée que euh, pour maximiser ce type, on préfère rentrer par la façade pour ne pas perdre ces 3 mètres carrés ou 2, 2 mètres carrés et demi, euh, euh, ce petit couloir qui, qui longe la salle de bain, la cuisine, parce que euh, ce sont des mètres carrés euh, extrêmement utiles. C'est aussi l'idée que euh, ça produit une, une architecture, euh, je, réutilise, je réutilise ce terme, pra pragmatique, euh, dans le sens où on peut construire euh, une, nouvelle, euh, euh, une nouvelle structure qui est euh, collée, qui est euh, à touche-touche à avec la structure existante, mais qui euh, ne vient pas reposer dessus, qui est indépendante, qui a sa propre euh, fondation. Euh, et donc, euh, on a produit euh, ce système de, de poteaux en console. Qui vient créer un mouvement particulier et qui vient créer des coursives, euh, des coursives utilisées euh, justement, bien sûr, pour accéder à son logement, mais aussi, euh, comme là aussi, une forme d'espace euh, public, en tout cas d'espace collectif, pour euh, se rencontrer, pour euh, euh, se parler, euh, pour avoir un, un, un lieu, alors qu'on est, euh, euh, est toujours dans le. Dans l'habitat minimum, un lieu dans lequel, euh, si jamais on se croise, on, on peut euh, rester et, euh, et échanger. Euh, C'est sans doute d'autant plus nécessaire lorsqu'on euh, lorsqu est dans l'habitat minimum. Il y avait une petite vidéo. Je ne sais pas si on peut la lancer. C'est pas moi qui peux le faire. Je sais pas si. Voilà, petite, une petite vidéo euh, rapide qui, qui montre un peu mieux peut-être euh, le, le déplacement. Euh, de cette architecture vers une autre, euh, <coughs> toujours avec une, euh, une attention aux usages et puis à, à euh, une expression architecturale et des détails qui sont euh, euh, dans, une, euh, dans une recherche de, de simplicité, euh, mais aussi de relation au contexte et d'insertion dans un contexte urbain. Euh, Très particulier. On est à Arcueil, au sud de Paris, dans l'idée d'une situation de banlieue extrêmement belle, extrêmement bricolée, extrêmement hétérogène, et qui mérite d'être vue à travers ces travellings un peu horizontaux que l'on peut avoir quand on se déplace sur les coursives. Alors, c'est aussi euh, cette idée que euh, finalement, euh, euh, la quantité de bâtiments de bureaux que l'on a produit euh, euh, dans, nos, dans nos villes et nos métropoles euh, occidentales, euh, on sait bien la question que ça pose, le bâtiment de bureaux. Aujourd'hui, euh, dans le Grand Paris, il y a 11 millions de mètres carrés de bureaux qui sont programmés. 11 millions de mètres carrés. Euh, sachant que. Euh, Finalement, le bureau produit une sorte d'obsolescence programmée, puisque c'est un, devenu une architecture extrêmement technique. Euh, nous, ça nous intéresse beaucoup de, de se dire qu'on peut, euh, peut réutiliser justement ces bâtiments de bureaux. Alors, euh, pour terminer, euh, je vais vous montrer un, un projet qui n'est pas réalisé, qui est un, un concours. Euh, et qui euh, euh, se pose la question, de, non pas d'une transformation ou d'une métamorphose, non pas de la réutilisation, la, la réhabilitation, non pas le re, mais qu'est-ce que l'architecture peut se poser comme question dans l'idée qu'un jour elle sera réutilisée Donc, quelle architecture euh, neuve ou nouvelle euh, après ces trois projets de, de métamorphose, et quelles questions elle doit, elle doit finalement euh, euh, essayer de, de traiter. Finalement, c'est sans doute l'architecture qui doit euh, essayer d'être un site, en fait, essayer d'être une ressource, essayer d'acquérir euh, cette, quali cette qualité de disponibilité qu'a l'infrastructure. Euh, donc, essayer de, de produire euh, déjà ce, ce niveau zéro infrastructurel qui pourrait euh, amener à ce que, euh, dans le temps long, on réutilise ces architectures. On est dans une situation à Paris, euh, dans le 13e arrondissement de Paris, juste au bord du boulevard des Maréchaux, que vous voyez ici traverser la Seine, donc juste à proximité de la Seine aussi. Euh, et euh, à proximité du boulevard périphérique sur lequel on a très longuement euh, travaillé. Euh, on aime ces territoires euh, euh, périphériques, on aime ces territoires intermédiaires, euh, avec euh, l'idée que, bien sûr, euh, euh, ce ne sont pas des limites. Euh, où potentiellement, ce, ça peut devenir autre chose qu'une limite, ça peut devenir une frontière. la frontière est beaucoup plus positive que la limite. Euh, la frontière, c'est finalement ce qui organise l'échange. la frontière, euh, la peau est la plus belle des frontières. la frontière, c'est ce qui euh, euh, justement crée euh, l'interface qui, qui organise vraiment ce, ce, cet échange entre les deux parties. Euh, et finalement, l'architecture, c'est ça, puisque l'architecture est une, euh, un art de la, non pas de la séparation, mais de la séparation et du lien. Donc euh, l'idée de construire un mur, c'est euh, bien sûr de, de séparer deux espaces, mais aussi d'organiser leur, leur, leurs échanges. Et euh, ces territoires, euh, donc, euh, lors d'un concours euh, récent, euh, dans le cadre d'une opération euh, lancée à grand bruit euh, par la ville de Paris qui s'appelle Réinventer Paris, amenée à réfléchir à des montages particuliers, programmatiques. Euh, et donc, on s'est posé la question de programmes euh, réunis, de différents programmes réunis dans un même bâtiment, mais dans un bâtiment qui serait un bâtiment de logement. Un bâtiment d'habitat. Comment est-ce qu'on peut habiter un grand bâtiment Parce que la parcelle est finalement assez grande, un bâtiment qui fait plus de 10 000 carrés au total, et qui, en plus d'être du logement, va réunir des lieux de travail, de, 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 de coworking, des, des équipements publics ou accueillant du public, du commerce, bien sûr, des restaurants et une sorte d'idée de l'espace public là aussi. Donc un, un bâtiment qui une succession à la fois une succession de, de strates et une réunion de, de typologies, euh, qui va parce que peut-être cette architecture doit réfléchir avec les types, essayer de, de construire et de réunir des types euh, et de réinterpréter des types existants et de les réunir dans une, dans une architecture unitaire, c'est bien sûr une question euh, euh, en coupe, parce que euh, ce bâtiment est euh, lui aussi plongé dans une relation infrastructurelle très particulière, puisqu'il va enjamber une voie TGV pour venir s'adresser sur le boulevard des Maréchaux, là où il y a le tramway. Donc, cette idée, comme vous le voyez sur la coupe, que euh, le bâtiment devient euh, euh, comme euh, euh, un site. Euh, qui vient euh, recouvrir un autre site, euh, ou qui vient l'enjamber plutôt, euh, qui est celle de, de l'infrastructure ferrée. Euh, alors, euh, le travail en plan est, est euh, euh, justement cette réunion de, de typologie. Euh, L'idée que le, le rez-de-chaussée est la, la rencontre principale euh, avec... Euh, avec le, le sol de la ville, avec cette porosité. Euh, tous les accès, euh, bien sûr, doivent donner lieu à des, à des espaces dédiés. Et vous voyez euh, sur la droite de l'image euh, l'idée que dans un interstice entre le boulevard tout à droite et euh, la partie qui est sous l'espace ferroviaire, ce petit interstice euh, peut, être, euh, peut devenir un passage, peut devenir un, un lien entre le haut et le bas. Entre le boulevard qui est plus haut et la rue qui est plus basse, euh, la rue qui elle-même va passer donc euh, sous ce boulevard et puis sous le boulevard périphérique et donc va créer ce, un lien Paris banlieue euh, euh, très important puisque euh, la rupture euh, du ring parisien est forte. Euh, cette idée que aussi, on peut passer euh, d'une épaisseur euh, euh, bâtie en plan euh, adapté à un programme donné, à un moment donné, euh, à une autre épaisseur, notamment celle du logement qui se développe dans les étages, et qui reprend cette idée de, de la coursive, euh, du bâtiment épais, avec euh, des logements qui sont traversants, euh, dans une situation euh, plus ou moins nord-sud, où on va chercher euh, à faire que tous les logements sont traversants, et puis euh, dans les derniers étages... Euh, cette idée de, de, de programme accessible au public. Euh, donc, comment est-ce que dans un, un immeuble de logement, euh, on arrive à, à, à donner euh, notamment le ciel, euh, là où on est proche de la Seine et proche de la, de la, de la, de la ceinture parisienne Comment est-ce que l'on arrive à, à donner une vue euh, et une, euh, une présence euh, euh, présence de ce paysage, de cet environnement, de la métropole pour tout le monde. Comment est-ce qu'on donne accès à tout le monde à, cette, à cet environnement-là privilégié Donc on voit les coursives qui donnent accès au logement, qui surplombent aussi les parties plus épaisses dans lesquelles il y a d'autres programmes, notamment les programmes de travail. Et qui réunit des lieux intérieurs très divers, comme justement un restaurant en haut et cette grande façade sur le boulevard des Maréchaux, qui est en fait une structure accessible au public, cet interstice qui va permettre de s'infiltrer entre les infrastructures ferroviaires et le boulevard urbain. Voilà, on essaye de penser euh, cette architecture euh, et de se questionner sur euh, ces architectures comme une ressource de la Terre euh, et euh, de leur conférer euh, des vertus euh, finalement de, de présence dans notre environnement euh, sur euh, euh, cette Terre déjà très euh, fondamentalement transformée et qu'il s'agit sans doute de continuer à transformer mais en étant peut-être un peu plus conscient de ce temps long et de la capacité dont euh, les générations futures pourront réutiliser euh, ces structures que l'on construit. Merci beaucoup.